possible masquer vu le contexte sanitaire le premier avec le masque déjà j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais à la rencontre de marine les oui c'est possible c'est quoi c'est je vais à la rencontre de belles personnes qui ont osé créer leur vie qui les inspire quelle que soit la vie qui les inspire des gens connus inconnus peu importe mais qui ont dit oui c'est possible aujourd'hui je suis à dos dans une commune du Gard, où j'ai l'immense honneur d'accueillir Marilyn. Alors Marilyn, elle est originaire de la région lonaise. Elle a beaucoup bourlingué, comme elle dit, avant de choisir l'endroit pour fonder une famille. Un parcours scolaire plus orienté à l'international, l'école de commerce, études à l'étranger avec un poste commercial à l'international, puis en France, quand elle est devenue maman. Après 30 ans, de négociations commerciales et de pression énorme pour réaliser les objectifs, burn-out. Un retour aux essentiels, à l'essentiel. La question qu'elle s'est posée, qu'est-ce qui me rend heureuse Sa réponse a été très claire. Avoir beaucoup de contacts comme avant, être créative, travailler avec mes mains en accord avec la nature. C'est pourquoi elle crée Lumière Absolue by Marilyn, marque déposée. Elle crée alors des bougies 100% végétales. Elle fait tout elle-même, je peux vous le dire, je l'ai vu. D'aller ramasser les fleurs, de les faire sécher, de les couper. Elle fait tout de A à Z. Avant de commencer, Marilyn, je me permets quand même de montrer tes créations d'entrée, parce que je trouve que c'est magnifique. Alors, Là, c'est celle que tu as créée pour la Ligue. Mm -hmm. Non, pas la Ligue. C'est si contre le concert, concert voilà. Oui, tout à fait. Pour Octobre Rose. Octobre Rose, voilà. Ça fait partie de la gamme des, des bougies personnalisées, en fait. Voilà. Regardez. Puis ça sent bon, je peux vous le dire. Là, ce sont les bougies fleuries. Voilà. Je vous en montrerai à la fin encore. Hein, ce n'est pas fini. Mm -hmm. Donc, Marilyn, oui. merci. Merci à toi. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, c'est quoi ton oui, c'est possible Raconte-nous tout. Alors, mon oui, c'est possible, c'est euh, simplement réfléchir et sauter le pas, réfléchir à ce qui, me, ce qui me nourrit et ce qui me fait avancer, réfléchir à ce qui me rend heureuse et, euh, et décider de, de créer ma société euh, pour, euh, pour faire ce dont vraiment j'avais envie sans aucune pression, puisque maintenant c'est moi qui me fixe les objectifs en fait. Euh, voilà, donc euh, mon oui c'est possible, c'était me réaliser après, euh, après euh, on va dire, une période difficile suite à, suite à mon burn-out. Donc euh, avoir, euh, avoir et les idées et l'envie de sauter le pas et de passer à autre chose. Et de créer. Et de créer donc euh, ma société donc, qui s'appelle Lumière Absolue by Marilyn. Donc ça a été une démarche, euh, on va dire, euh, qui a participé à, à ma guérison. D'accord. Euh, en fait, suite à mon burn-out, je me suis... Bon, forcément, il y a la partie, euh, la partie je me recentre, je réfléchis, je, je travaille, euh, j'ai été aidée. Euh, mais euh, j'avais besoin, euh, j'étais en arrêt euh, maladie, j'avais besoin, euh, je ne suis jamais restée... Euh, bah, inoccupée de, de, pendant toute ma carrière, donc c'était impossible et inconcevable pour moi de rester euh, sans rien faire. J'avais pas la capacité euh, psychologique à ce moment-là d'aider les autres. Mm -hmm. Il fallait déjà que je m'aide moi-même. C'est ça. Donc euh, j'ai trouvé à m'occuper et à m'occuper les mains. Donc j'ai commencé par la pâtisserie. Et euh, j'ai un côté très perfectionniste donc euh, je, je voulais toujours l'excellence au niveau pâtisserie, je voulais que ça soit aussi beau que bon. Donc, j'ai eu un niveau en pâtisserie qui faisait dire à tous mes proches que j'allais créer mon entreprise dans le domaine de la pâtisserie. Sauf que, euh, bon, il fallait retourner sur les bancs de l'école. Alors, des diplômes, j'en ai, mais. Euh, j'avais pas trop envie de me retrouver avec des enfants de 16 ans en CAP pâtisserie. Et puis, j'avais pas envie non plus à 50 ans de, 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 de me lever très tôt, d'avoir encore un patron sur le dos mm -hmm. avec des objectifs, etc. Donc, euh, en parallèle de la pâtisserie, j'avais commencé à créer des bougies pour moi, puisque ça m'apaisait. Euh, je faisais toujours des, brûler des bougies chez moi. Et puis. Euh, en me renseignant, je me suis rendu compte que les bougies qu'on faisait brûler dans le commerce, mmh. c'était du pétrole, un dérivé du pétrole, la paraffine. Euh, donc ça crée des fumées nocives. Et moi qui en faisais brûler beaucoup, je me suis dit, stop, je vais fabriquer mes propres bougies. Donc en même temps que je faisais de la pâtisserie, je commençais à manipuler euh, les bougies, à me renseigner. Elle en enfin. n'avais jamais fait. On est bien d'accord. Jamais. C'était voilà, c'était quelque chose Absolument que tu n'avais jamais. Absolument jamais. Fait. Euh, donc euh, j'ai commencé par regarder des tutos sur YouTube, comme tout le monde, hein, fait, <laughs> do it oui. yourself euh, voilà. sur Internet. Voilà, faites vos propres bougies. Euh, à rechercher surtout des fournisseurs donc qui enfin qui qui étaient vraiment euh, éco-responsables. Donc euh, c'était voulais... quelle année ça Tu te souviens alors, j'ai une très mauvaise mémoire près, des dates, euh... mais ça, c'était il y a deux ans. Ah oui, donc c'est très, très jeune. Oui, 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 oui. c'était il y a deux ans. Donc, j'ai commencé à, à, à trouver les matières premières qui me convenaient, euh, à me perfectionner. Alors, malheureusement, il n'y a pas de formation. Soit il faut être à proximité d'un vrai maître serrier euh, qui fasse des chandelles, des cierges depuis, mm -hmm. euh, voilà, de génération en génération depuis très longtemps, mais dans le, dans le Gard, je n'en ai pas trouvé. Donc, il a fallu me former seule, en sachant que c'est un gros travail à la base de chimie. D'accord. Ce qui n'était pas du tout mon Donc domaine. Oui. Voilà. Mmh. Mais en même temps, ça ressemblait beaucoup à la pâtisserie. Parce que c'est des petites recettes. Il faut être super précis, comme le chocolat, au niveau des températures. En fait, il y a un tempérage comme le chocolat avec la cire végétale. Il y a plein de similitudes. Et euh, donc, j'ai commencé à me former comme ça au fur et à mesure, à progresser, à, à faire mes tests. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de phases de tests avant même de penser ouais. à créer mon entreprise. Euh, tout ne réussit pas du premier coup. Hein. C'est comme une chantilly, on ne la montre pas forcément la, la première alors, fois. Et alors, tu as tu, testé, tu, tu as, fait attester, as expérimenté, voilà, tu as ça. créé. Mmh. Et à un moment donné, qu'est-ce que c'est qui t'a dit Ça y est, je vais créer une entreprise de bougies. Je suis prête. Je suis prête, je vais me lancer. Qu Qu'est-ce qui s'est passé en fait Alors, je me suis dit, mais en fait, les bougies que je créais, je commençais à en offrir aux, aux copines, à la famille, etc. Et tout le monde disait, ah, oh, elles ouais. sont trop bonnes, elles sont trop jolies. Et pourtant, ouais. c'était la bougie, enfin, je ne sais pas si tu peux montrer, basique, au euh, tout okay. début, les cubiques, voilà, comme ah, ça. Ah oui, celle-là. Donc, les toutes simples, c'est la bougie parfumée euh, végétale, ils donc 100% bonnes. naturelle. Et euh, donc j'ai commencé à faire ça. C'était le plus simple. Il n'y avait pas de fioriture, de décoration ou autre. Donc il fallait déjà juste maîtriser le process. Et donc je me suis dit, euh, bon, ben, pourquoi pas Après tout, c'est ça, qui, ça qui, qui, peut, qui peut fonctionner. Je n'ai pas besoin d'un grand espace. Je peux le faire dans ma cuisine. Euh, donc ça m'a décidé aussi. Pas de trop gros investissements Ressent. à la base, à part les matières premières. Euh, donc je me suis dit, pourquoi pas euh, j'ai fait ma petite étude de marché. Bon, j'ai la chance d'avoir les études qui me permettaient aussi de, de, de voir que ça pouvait euh, fonctionner, être rentable. Voilà. Donc, j'ai commencé par faire des, des marchés, des salons, euh, des salons spécialisés, bien-être, euh, des salons du mariage et à faire évoluer la gamme. Voilà. Euh, où, Vraiment, maintenant, c'est ce qui m'éclate vraiment, c'est de pouvoir vraiment avoir euh, développé le créatif, parce que si j'étais restée sur le basique, euh, mmh. cubique, euh, avec la même étiquette, euh, j'aurais pas été euh, comblée. Il faut que je crée, il faut que ce soit toujours différent, des pièces uniques, euh, que j'écoute, euh, que j'écoute bien mon client. Pour que ça lui fasse vraiment plaisir au final. Et du coup, tu fais les mariages, tu fais l'individuel voilà. sur les ben, salons Voilà, ça peut être juste Bonne Fête Mamie avec la photo voilà. des petits-enfants dessus euh, ça peut être des mariés qui veulent des, des contenants spécifiques, euh, des matières premières spécifiques avec un type de fleur Enfin bon, voilà, je m'adapte à tous les clients et en fait, c'est jamais pareil. Et c'est ça qui est vraiment pour moi je déteste l'ennui. En plus, tu étais vraiment très, très fine parce que je, je le redis, elle, elle travaille avec des fleurs séchées qu'elle va chercher, qu'elle ramasse. Dans les jardins. Dans donc, j'embête tout le monde, tous les jardins de la famille, des copines, pour essayer d'avoir des variétés le plus possible différentes. Et puis, toutes les fleurs des champs. Après, j'ai une application qui vérifie que toutes les fleurs euh, soient non protégées, non toxiques, etc. C'est bien ça. Et il euh, et y a cinq modes de séchage différents. Assez, là, c'est pareil. J'ai expérimenté, j'ai beau, eu beaucoup de ratés et au fur et à mesure, je sais ce qui, je sais ce qui fonctionne. Bon alors, tu as décidé, tu crées, ok, mm -hmm. là on est dans ton atelier, c'est magnifique, ça sent super bon, mais est-ce que tu as eu peur de te lancer Alors, je me suis dit en fait, euh, ma cocotte, tu as 50, euh, 51 à l'époque, euh, et euh, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas plus difficile de se lancer, de se réadapter à un nouvel environnement, à de nouveaux collègues, à de nouvelles méthodes, euh, à de nouvelles règles, que simplement les créer moi-même. Donc, euh, je ne trouvais pas ça plus compliqué, en fait. Je pensais, c'était, enfin, financièrement forcément, il y a toujours un frein euh, et de l'entourage. Euh, et puis même, soit on se dit, où est-ce qu'on va si jamais ça ne fonctionne pas et Bon, c'est vrai que ça fait juste un an et le Covid est passé par là. Un plus ben, La Covid. Voilà. Euh, donc, euh, forcément, ça, c'est toujours un petit frein. Je pense qu'on l'a tous, à moins d'avoir gagné pour loto. Voilà. Mais qu'est-ce euh, que c'est qui t'a dit, allez, même ce frein-là, je le dépasse et en fait… Euh... Parce que j'étais sûre que mes produits plaisaient, en fait. D'accord. Si j'avais pas été certaine de la qualité de mes produits, euh, je ne me serais pas du tout lancée. Voilà. J'aurais pas pu créer une société pour vendre des produits chinois ou des choses comme ça. Un peu c'était vraiment, c'est ce que c'est. Ce ça que... sort de moi, voilà. de ton cœur. Voilà. c'est ça qui est important. C'est ça. Et euh, et, et c'est vrai que c'est un produit qui est, on peut, on peut le juger comme superflu. Mmh. C'est pas un produit dont on a besoin, mmh. qui soit essentiel. Donc on peut se dire, oui, mais tu veux des bougies, est-ce que tu vas en vendre à part la, à Noël, etc. Oui. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est aussi de susciter l'envie chez les gens. Donc, la partie comme, euh, tout ça qui me, qui me plaisait aussi dans mon métier avant, je peux la mettre en, en avant aussi dans cette. En fait, tu as euh, pu réunir suite. ta créativité, mm -hmm. ce que tu étais avant, parce que, comme, comme dit d'ailleurs, je vais, je vais la citer, Valérie Karchi, toutes nos expériences mm -hmm. nous amènent à la personne que l'on est vraiment. Est et c'est vrai que ben, Valérie Karchi, ça nous a vraiment amené à ça, nous, parce que voilà. Euh, donc voilà, tu y es dedans, tu es en mm -hmm. plein dedans. T'as oui, c'est possible là, c'est vraiment énorme. Tu as eu des obstacles pour commencer à te, à t'installer, <coughs> à, enfin, à travailler. Alors, des, les, je pense que les obstacles, c'est nous qui nous les mettons la plupart du temps. Mm -hmm. Les vrais obstacles, comme je disais, moi, j'ai pas eu un gros investissement à la base. Mm -hmm. euh, après, une fois, comme je me suis lancée qu'une fois que mes produits étaient au point. J'ai pas eu tant d'obstacles que ça. D'accord. En fait. Les obstacles sont dus à la conjoncture, en fait. Oui. Et même avec. Alors, il y en a un de taille, là, qu'on appelle la Covid. Ça mm -hmm. en est un, là. Tu as un an oui. de vie d'entrepreneuriat. De, c'est compliqué en ce moment pour toi. Alors, c'est compliqué. Il faut toujours avoir plus d'idées. Et c'est clair qu'il ne faut pas rester. Euh, euh, le créatif dans son petit labo et pas avoir de contact avec l'extérieur. C'est là où la, la communication et toute, le, toute la partie commerciale que j'ai pu expérimenter mmh. avant sont importantes. Euh, les réseaux sociaux et puis le, la future création de mon site internet, où j'espère va pouvoir, cool. va pouvoir euh, cool, cool. développer et toucher un peu, plus, euh, un peu plus de gens, que ce soit moins confidentiel. D'accord. Et euh, c'est vrai qu'on se dit... Euh oui, mais qu'est-ce que vont passer les autres Est-ce que ça t'a traversé un, peu, un petit peu l'esprit, mmh. le regard des autres hein Oui, alors j'ai eu, un... eu des déceptions, hein, comme tout le monde. Bon, après, euh, mmh. quand on traverse une période difficile, de toute façon, on fait du tri, hein, mmh. on, on le sait. Bon, il faut s'entourer des personnes qui, qui vous apportent mmh. quelque chose, et pas celles qui vous freinent. Et euh, oui, j'ai été déçue par certains, certaines personnes, certains amis, qui voyaient ça comme... Euh, qui se sont dit, oh, c'est un hobby. Ah, c'est vrai que. C'est de l'amateurisme, c'est du hobby. Voilà, Tu vas vendre trois bougies sur un marché, euh, comme le ferait une mamie qui va tricoter trois bavoirs et, et tu vas <laughs> le vendre sur un marché de Noël. Et euh, qui se rendait pas compte que ben, je travaillais de 8h à 20h, que C'était oui. pas un hobby. <laughs> ah voilà. Oui, donc ça, ça a été vraiment. Ça, ça m'a. Ça t'a touché. Ça m'a touché. Voilà. Je me suis dit, c'est pas parce qu'on ne travaille pas. C'est pas parce qu'on travaille de ses mains, et ça je, je l'avais vu avant aussi dans, dans, dans mes relations commerciales, c'est pas parce qu'on travaille de ses mains qu'on ne travaille pas. C'est ça. Hein, qu'on travaille ça. dans son petit coin, qu'on ne travaille pas. Et moi, j'aimerais savoir comment. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire, quand tu fais une bougie, comment ça se passe Parce que, ah, un pas. Bah, oui. Comment bah, tu fais quand tu crées une bougie Comment ça se passe pour créer une bougie Je trouve ça très intéressant. Hein, Alors, hein, tu hein. parles de la création euh, artistique ou plus vraiment plus de la, vraiment de la méthode de fabrication alors, la base déjà d'une bougie, bougie c'est euh, choisir la bonne cire par rapport à, à, à l'utilisation que tu vas en faire. Donc moi, j'utilise deux cires végétales différentes. La cire de soja, c'est celle qui restitue le mieux les odeurs. Donc pour toutes les bougies parfumées, ça va être de la cire de soja. Pour toutes mes bougies moulées, comme celles que tu montrais sur le cancer du sein ou celles qui sont colorées, etc., là, c'est de la cire de colza, parce que c'est une cire qui tient mieux et qui se démoule mieux. Voilà, ça. Qui est beaucoup plus lisse pour pouvoir faire tous les visuels qu'on veut euh, dessus. Donc ça, ça n'a pas d'odeur. Aucune odeur. Ouais. ouais. Ça n'a pas du tout d'odeur. Et c'est euh, aussi une couleur... Euh, pourquoi j'ai pas choisi la cire d'abeille Parce que certaines personnes pourraient me demander pourquoi je n'ai pas choisi la cire d'abeille. Pourquoi tu n'as pas choisi voilà. <laughs> voilà. Alors, bon déjà, la cire d'abeille, euh, c'est un produit animal. Euh, les abeilles, malheureusement, souffrent mmh. beaucoup en ce moment. C'est une cire qui est assez chère. Qui ne se parfume pas bien et qui est coloré jaune voilà. ah oui exact. donc ça limite les possibilités d'accord voilà. donc on choisit la bonne cire on la fait fondre dans un fondoir je sais pas tu le montreras peut-être tout à l'heure c'est un gros récipient euh, euh, qui fait bouillir euh, une centaine de litres d'eau au, au bain marie enfin pour l'instant je suis encore Petite dimension, donc je n'ai pas encore les grandes cuves, <laughs> peut-être qu'un jour ça arrivera, mais pour l'instant je fais fondre au fur et à mesure ma cire. Elle doit atteindre, suivant la cire que j'utilise, une température bien précise. Ensuite je dois la faire refroidir à une certaine température avant d'incorporer les parfums qui sont des huiles parfumées qui sont élaborées à grasse par des parfumeurs. Parce que si je ne fais pas ça, il y a des risques d'explosion, tout simplement. Il y a un point de fusion où, voilà, qui, qui fait que ça devient euh, dangereux. Donc il faut respecter tout ce process et seulement après pouvoir couler, soit dans un moule, soit directement dans, dans le photophore dans lequel je vais rendre la C'est tout un art, tu es une artiste en fait. Tu es une belle artiste. C'est gentil. Tu es vraiment une artiste qui élimine qui en fait, qui nous élimine parce qu'on les a Oui, avec nous. ma petite femme. Elle est à les chez nous, ça sent super bon. Mmh. bon moi, j'en ai, ai à la maison, mais je n'ose même pas les faire brûler. Alors oui, mais je comprends. Et l'avantage, c'est que tu, justement, tu peux les garder, puisque ça sent bon, même si tu oui, les fais pas brûler, très, très tu les bon. gardes. Et ça puis, quand sent... le jour où tu as une panne d'électricité, voilà. tu les allumes. Voilà. Alors, maintenant que tu nous as expliqué tout ça, moi, j'ai envie de te dire, comment tu te sens maintenant que tu as osé Osé, que tu as, as, as dit, oui, c'est possible, je l'ai fait. Mmh. Maintenant, ça existe je suis dedans. Comment mm -hmm. tu te sens Très bien. Euh, D'accord. La... Très, très bien. Non, mais j'ai l'impression vraiment de me réaliser, d'être à la bonne place, d'être euh, légitime. D'accord. Voilà. Euh, et puis, j'ai tellement d'idées qui fourmillent que je sais que je ne vais pas m'ennuyer. D'accord. Voilà. Et ça, c'est un point important. J'aime beaucoup apprendre. Donc, il faut toujours que, que je fasse évoluer les choses. Et alors, sans rentrer dans les détails et tes secrets, mm -hmm. les prochaines idées alors, euh, ça va être euh, surtout des bougies géantes pour Noël. D'accord. Donc, des très, très gros volumes avec euh, beaucoup, beaucoup de fleurs. Et, bon, forcément, dans euh, des couleurs de Noël. Euh, voilà. Après, le reste, c'est un peu top secret. Non, mais après, <laughs> je ne veux pas savoir. Alors, on va finir l'interview. Je le finis toujours comme ça. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont un oui, c'est possible quel qu'il soit, c'est pas forcément être entrepreneur, mm -hmm. c'est pas forcément... Peu importe, parce que les oui c'est possible, comme je dis, c'est vraiment... Ça peut être des petites choses, mm -hmm. et des fois des petites choses, puis des petites choses font des, grands, des grandes choses. Qu'est-ce que tu pourrais dire Quel conseil tu pourrais donner C'est ça. Alors en général, quand on réfléchit à est-ce que ça va être possible, ça veut dire qu'à la base, quelque chose ne nous convient pas bon. dans notre situation actuelle, quelle qu'elle soit. Euh, donc à partir du moment où on se pose la question ce qu'on va entreprendre, je dirais, pourra pas être pire que ce qu'on a déjà. Ça, c'est une belle leçon. Donc, je me dis que de toute façon, sans, sans sauter le pas, on ne sait pas. Et puis, on peut stagner dans l'amorosité. Euh, voilà. Donc, dans tous les cas, entreprendre quelque chose, c'est valorisant. Dans tous les cas. Et puis, on apprend, on apprend de ses échecs. Tout ne peut pas marcher du premier coup. Euh, mmh. Voilà. Mais au moins, on n'aura pas de regrets. C'est ça. Voilà. Donc, euh, et puis, euh, je pense qu'au bout d'un moment, quand on, vraiment on est dans cette situation-là, à se dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, on peut se poser la question euh, des... voilà ça peut durer des mois, mmh. euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Au bout d'un moment, quand on a une idée, on l'approfondit, on se fait accompagner si on est un peu frileux euh, dans certains domaines, mmh. mais, euh, mais il, faut, il faut le réaliser. Ça, c'est beau, c'est beau. Ben, écoute, merci. Merci, merci de à participer toi. à l'aventure. Euh... Oui, c'est oui, possible. Oui, c'est vraiment euh, un honneur. Alors, je, on mettra les liens sur, euh, sur, sur, sur la vidéo, sur l'enregistrement. Vous la verrez sur, euh, sur la chaîne YouTube. Je mettrai tout, mm -hmm. toutes ces coordonnées. Il euh, y a quelque chose auquel je pense tout d'un coup. C'est que tu livres, tu envoies oui. dans toute la France. Donc, Donc Si, toute vous, la France, oui. si ce, son travail vous inspire et si vous avez vraiment envie, vous passez par euh, les liens que vous, je vous donnerai. Et elle peut vous envoyer vos bougies chez vous, dans toute la France. C'est important de le dire. Donc, bah, écoute, Marilyn, merci. Merci à merci toi. Merci beaucoup. À très, très vite. Oui. Et puis, euh, bah, bah, le fin d'année. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve, nous, très bientôt pour, euh, pour une autre aventure. Alors, bah, le prochain enregistrement, euh, vous saurez bientôt qui euh, c'est. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne euh, YouTube en appuyant sur la petite cloche. Et puis de, de partager, euh, si, euh, si c'est oui c'est possible, euh, vous inspire pour, ins pour inspirer d'autres personnes. À très bientôt, au revoir Marie. Au revoir, Marie merci.